Quelqu'un très méchant est venu prendre tous nos cadeaux. Écoute, pourquoi pas faire un swap? Verity, regarde! Il me semble que Aldi est ouvert aujourd'hui. Bon, on fait le swap? Ah, bien sûr. Ouais. Allez, je te les passe. Tu m'as offert des capsules pour faire le linge. Noël. Noël, c'est le 25. Et ce soir, c'est le 23. Il te reste encore 2 jours. D'ailleurs, ici, tu as bien tes calendriers d'avant. Mais, Verity, tu as tout ouvert. Oh, y a eu un petit malentendu. Et c'est ça que tu as trouvé? Des Hatchimals et les Playmobil? Comment se fait-il qu'on a déjà les cadeaux? Cette année, on a eu beaucoup de chance. Le Père Noël est venu en avant. Et regarde tous les cadeaux qu'il nous a offerts. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Fais attention, maman. Oh. Fais attention, maman. Oh, il est très lourd celui-là. Maman, tiens, là il est pas lourd celui-là. Mais non, 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 on triche pas. C'est pas pour ce soir. Là, on va au lit. Demain, c'est le réveillon. Donc, allez, on va dormir et comme ça, on se réveille super tôt demain. On y va. Tchou, tchou. C'est l'heure du dodo. Fais des beaux rêves. Hein? Et toi aussi, maman. Et oui. Ne te réveille pas pour ouvrir les cadeaux. Hein? Mais quand même. Ah oui, petite coquine. Non, non, non. C'était juste un mauvais rêve. Non, t'inquiète maman, pas. Je te promets, c'est vrai, maman. Il faut voir en bas, j'ai entendu des bruits. Et dans mon rêve, je savais qu'il y avait, je sais pas, moi. Attends, tu penses qu'il y a quelqu'un ici dans la maison? T'es sûre? J'ai entendu des bruits en bas. Mais moi, je n'ai rien entendu. Franchement, j'étais profondément endormie. Hein. En plus, je portais mon masque et j'ai écouté de la musique. Donc, tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un ici? Oui. Oh, ok, bon, si c'est le cas... Faut s'armer aussi, tu je vais m'armer, je vais m'armer. T'inquiète, t'inquiète. Allez, Verity, je suis armée. Oh, ma maman s'est transformée en super ninja. T'inquiète pas, je suis prête pour la bataille. Si jamais il y a quelqu'un en bas... Oh, oh, oh. Tu prends ce coussin et toi aussi tu vas t'armer. Tu fais juste comme ça, si jamais il y a quelqu'un de méchant... Bataille de coussins. Ok? D'accord, maman. Allez, chut. Ok. Arrêtez-vous tout de suite! Mais. Il n'y a personne ici. Il n'y a plus de cadeaux? Non, 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 cadeaux! C'est pas possible! Non! Vérifie. Le cadeau, maman. Bon, apparemment, tu avais raison. Quelqu'un de très méchant est venu prendre tous nos cadeaux. Mais s'il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de Noël. Non, 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 non. Mais... On aura toujours Noël. T'inquiète, on aura toujours Noël. Mais il nous faut des cadeaux, maman. Je sais, mais là, c'est le 24. Je ne crois pas qu'il y ait des magasins ouverts aujourd'hui. Oh, pourquoi on nous a fait ça? Pourquoi nous? Bon, on va s'habiller. Et ensuite, nous allons faire le tour de la ville. Et je suis sûre qu'on va quand même trouver un magasin qui est ouvert aujourd'hui. Et on va s'acheter des cadeaux. Est-ce qu'il nous reste encore un petit peu d'argent? On n'a pas déjà tout dépensé pour le repas de Noël? J'espère que ma cachette était assez bien et que les cambrioleurs n'ont pas pris ce qui nous reste. Où est ta cachette? Je suis curieuse. Vérité,
pour trouver une bonne cachette, il faut vraiment bien réfléchir et trouver un endroit où personne n'imagine que tu vas mettre quelque chose de si important là-dedans. Ici, dans le congélateur, je n'aurais jamais imaginé qu'avec des petits pois... La glace! Ben non! C'est pas du tout de la glace! Je t'ai bien eu! C'est ici que j'ai mis le reste de notre argent. Voilà tout ce qu'il nous reste, Verity. Maman, est-ce qu'on a assez? Écoute, pourquoi pas faire un swap? Par exemple, on trouve un magasin qui est ouvert et toi, tu achètes 5 cadeaux surprise pour moi et moi, j'achète 5 cadeaux surprise pour toi et on fait le swap! Maman, c'est une super idée! Je t'aime, mon cœur. Tu es sûre qu'il y a encore des magasins ouverts? Bah, j'espère. J'espère. On va en ville. On va voir ce qu'on peut trouver et comme ça, on va vite choisir des cadeaux. Parce que sans cadeaux, on n'a pas de Noël. Bah oui. Ok, reste patiente, mon cœur. Je fais de mon mieux. Mais qui a volé ces cadeaux? Je n'ai aucune idée, mais t'inquiète, Verity. On ne va pas laisser que ça gâche notre Noël. D'accord. On va s'en sortir. C'est parti. Verity, regarde, il me semble qu'Aldi est ouvert aujourd'hui. Super! On a trop de chance, vraiment trop de chance. Allez Verity, on se dépêche alors que ça ferme. Ton anus m'a Aldi, on a beaucoup de chance que c'est encore ouvert. Toi tu vas prendre un caddie et moi je vais prendre un panier. On va prendre chacune 5 cadeaux mystères. Oh, d'accord. Trop bien, ok. Tu as ton argent? Oui, bien sûr. Donc on se retrouve devant la voiture. Ok. Ok, high five. Bonne chance. Mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, j'ai pas d'idée. Je pourrais prendre des cornflakes? Bah non, parce que c'est pas pour Noël ça. Ah, ici il y a plein de bazar. Non, non, pas de bol, pas ça. Pas des casseroles. Non, non, pas de table, non, pas de couvert. Oh, mais c'est quoi ce truc génial? Verity, on a eu énormément de chance de trouver un magasin ouvert aujourd'hui. Donc nous avons chacune acheté des cadeaux et j'ai emballé tes cadeaux à toi en doré. Merci. Et moi, j'ai emballé mes cadeaux en rouge. Ouais. Donc on fait le swap? Ah, bien sûr. Ouais. Ok, je te les passe. Wow. J'espère que j'en ai bien 5 cadeaux. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Qui l'ouvre en première? Ouh, l'emballage est super rigolo, c'est pour ça que je l'ai pris. Oh, on dirait qu'il y a du liquide. Oh, en même temps, c'est lourd, maman. Tu devines que c'est quoi alors? Un jus ou de l'eau. Une bouteille? Allez, c'est parti. N'oublie pas, on est à Aldi, dans le seul supermarché ouvert et il fallait juste prendre ce qu'on trouvait. Et j'ai cru que tu allais beaucoup aimer ces cadeaux. Hein. Qu'est-ce que c'est? Maman! Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais eu un cadeau aussi nul! C'est pas nul, Verity! Ça a l'air délicieux! En plus, ce sont des grosses saucisses! Mais maman, c'est pas un cadeau, c'est pas un jouet, c'est pas un accessoire de la nourriture! Bon, j'ouvre mon premier cadeau. Je pense que je vais ouvrir celui-ci. Bon, c'est pas très lourd. Je dirais... Je ne sais pas, peut-être boîte à parfum? Il y a un parfum à l'intérieur de cette boîte. Ouais. Et tu connais bien mes parfums préférés, donc... Oh. Non, 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 non. En plus, c'est cassé! Mais... Verity, regarde, il y en avait trois et l'autre a disparu, t'as vu ça? Mais maman, maintenant tu peux me faire des crêpes avec des bons mesurements. Tu m'as acheté ça pour que je te fasse des crêpes? Non, non, c'est parce que t'aimes bien faire la cuisine. J'aurais bien aimé verser de l'eau sur ta tête. Mais c'est pas un cadeau ça, Verity, voyons. Au moins, c'est des saucisses, tu peux les manger. Merde.
Merci. Joyeux Noël. Alors, voyons voir. Je sais pas trop ce que c'est. Oh, j'ai pas envie d'ouvrir. Une licorne. Il y a des gommettes. En fait, on peut l'habiller. Elle a même un jean. Comme une licorne. Des blouses, des lunettes de soleil, une écharpe s'il fait froid, même des bijoux. Tu aimes bien ce cadeau? Oui, merci maman. De rien mon cœur. Le prochain cadeau que je vais déballer, ça sera celle-ci. La forme est un peu bizarre. Là-haut, c'est un peu vide. Vide, oui, là c'est vide, donc il y a une sorte de bâton. Et ici, c'est bien épais. Oh, c'est doux. On dirait un doudou. Est-ce que c'est un doudou? J'adore les doudous. Oh, mais je dirais. Oh. C'est pas un doudou, Vérité. Si, maman, regarde, c'est un doudou. C'est du papier toilette en forme de roulon de peinture. Mais qui a pensé à cette idée stupide? Oh oui, je vais me nettoyer les pelles. Vérité, tu as même cru que c'est... Ça, c'est pas un cadeau, c'est une blague. C'est du vrai papier toilette en plus. Ah, c'est bizarre, mais si. Ah. Maintenant, j'ouvre le cadeau numéro 3. Ouh, ça a l'air un peu... On dirait aussi un doudou. Peut-être un coussin. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, d'un côté, c'est argenté. Et d'un autre, c'est tout bleu. Qu'est-ce que ça peut être? Une robe. Non, c'est une couverture en forme... De robe? Non, en forme de queue de sirène. Donc tu mets tes jambes à l'intérieur, vas-y. Oh, trop bien. Et là, ça te garde chaud pendant que tu regardes un film. J'adore, merci. À ton tour, maman. Voilà, je ouvre aussi mon troisième cadeau. Pourquoi pas celui-ci? Ça, c'est lourd. Ça sent super bon. Ça sent le parfum. Oh, enfin, j'ai mon parfum. Oh, j'ai l'impression que c'est peut-être pour le bain. C'est quelque chose qui sent super bon et qui va me rendre super propre. Oui, et nettoyer toute ma peau. Je pense que c'est pour les bains parce que je sens qu'il y a des sortes de petits trucs qui bougent. Bah, il faut ouvrir. C'est bien pour le bain? Bah, c'est une surprise, maman. J'ai hâte d'avoir un bain relaxant avec des bougies autour de moi. J'espère que je pourrai le faire avec ce cadeau ce soir. Oh, merci bébé. Je te dis merci déjà. De rien. Attends même de voir. Oh, mais chef, ça sera super. Ouais, c'est super. Tu m'as offert des capsules pour... faire le linge. Oh là là, je suis désolée maman, je me suis trompée. Oh, comme je suis bête, je croyais que c'était pour se laver. Ça dit rendre propre, je comprends comment tu peux te tromper. Oui. Merci d'avoir pensé à moi. Et désolée. Quatrième cadeau pour toi. Ouais, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des céréales un peu. Mais tu sais, Verity, à Noël, beaucoup de cadeaux se ressemblent, surtout quand ils sont emballés. Donc ce bruit peut te sembler familier, mais pense à autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être autre? Ça pourrait peut-être être... Des articles pour faire du slime. Ah, peut-être. Bon, on va l'ouvrir. J'adore des Frosted Flakes. On peut déjà faire ton petit déjeuner. Regarde, tu auras ta tasse de lait. Et on peut mettre des céréales dedans.
Et à midi, tu pourras manger des pâtes saucisses. Non, maman. Et regarde, et cette fois-ci, je ne vais pas manger tes céréales parce que c'est ton cadeau à toi. C'est un bon cadeau, non? Ah oui, merci beaucoup, maman. À ton tour. Qu'est-ce que je vais ouvrir maintenant? Ok, il y a quelque chose de grand à l'intérieur. Qu'est-ce que ça peut... Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi? Bon, on essaye. Quelle est la capitale de la France? Paris! Ben non, il faut attendre que ça sonne d'abord avant de crier. Ah. Ça, c'est génial! Merci Verity, enfin un super bon cadeau et je sais ce que je vais faire avec. De rien! À toi! Alors... C'est ton dernier cadeau, Verity. Déjà, je peux dire qu'il est très 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 grand. C'est un peu lourd. On dirait une poupée géante ou bien une maison de poupée. Pourquoi pas une grosse trousse avec plein de crayons à l'intérieur? Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un kit pour faire de la boxe. T'es contente? Oui! Et maintenant, c'est à moi d'ouvrir mon dernier cadeau. Ce petit trésor. Je l'ai laissé en dernière parce que j'ai imaginé que c'était un collier. Oui! Ça a l'air bien! Et avec des boucles d'oreilles aussi. Parce que je les entends bouger. Vous entendez ça? Ah oui, 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 c'est ça. Oui, j'y crois. Tu sais, Verity, à Noël, j'aime trop les bijoux aussi. J'ai pas eu un parfum, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai un bijou! Un paquet de chips, Verity? Sérieux? Un paquet de chips? Bah t'aimes bien les chips. J'ai pensé à toi. Tu peux les manger comme ça. Ha la 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 la.